Je vous revaudrai ça. Merci. Sam, Perfi. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir. Ah, c'est donc là que vous vous cachiez. Vous avez des armes? Je vous dérange? J'ai besoin de piles pour cette fichue lampe. Vous pourriez demander. C'est pourtant simple, non? Ça doit faire mal. Ouais. Ça pique. Tenez-vous tranquille. Merci, Clarisse. J'ai vu ces symboles dans les cabanes des bergers. Ces gens doivent être dans la vallée depuis très longtemps. Il y a bien une issue. Mais ça me paraît compliqué. Regardez. On ne pourra pas grimper. Ensemble, on y arrivera. Pourquoi je savais que vous alliez dire ça? J'ai connu Eric à l'escalade. Je vais nous sortir de là. Je peux savoir ce qui vous fait rire? C'est un cauchemar ici. On est condamnés là. C'est complètement foutu. Arrêtez un peu ça. Je veux sortir de là. Et si vous aussi, va falloir tenir le coup. Tout va bien? Oui, je m'arrête une minute. C'est pas une pause qui va nous tuer. On sait jamais. Ah, vous avez une sale mine. Eh, merci, c'est sympa. Vous devriez peut-être revoir vos techniques d'encouragement. Je suis sérieuse, est-ce que ça va? Je crois que c'est la question la plus débile que j'ai jamais entendue. Vous voulez plus me parler, c'est ça? Très franchement, on devrait se concentrer sur notre survie. Pas étonnant qu'on vous surnomme la Reine-Mère. Le pire, c'est que vous ne voyez rien. Qu'est-ce que je ne vois pas? Vous ne vous ouvrez pas aux autres. On dirait qu'un mur vous entoure. Non, c'est plutôt une montagne, pas un mur. Dites-moi, Rachel, il y a une vraie personne derrière cette façade? C'est pas facile d'être la Reine-Mère. Vous croyez qu'on gravit les échelons en étant douce et souriante? Et moi qui croyais que les agents de la CIA avaient la vie facile. On en est loin. J'ai dû bosser pour y arriver. Vous croyez que je m'offusque des surnoms qu'on me donne? Je considère que c'est un véritable honneur. Ils ont pas idée de toutes les emmerdes que j'ai dû subir pour en arriver là. Ok. En arriver où, au juste? On dirait bien que je suis tombée sur un nouveau lot d'emmerdes. Vous et moi, on se ressemble. On a fait toutes les deux le nécessaire pour arriver là où nous en sommes. C'est respectable. C'est respect... Non, vous approchez pas. Je comprends pas ce qui m'arrive.
Je ne vous lâche pas. C'est promis. Mais il faut que je sache. Qu'est-ce que cette chose vous a fait ? Il y a des médicaments en haut. Ça peut vous aider, mais il faut grimper. Vite ! Tenez votre main. On est du mauvais côté du gouffre. On ne passera jamais. Ne me lâchez pas, surtout. On va se balancer. La corde tiendra pas. Non. Vous croyez vraiment que ces médicaments vont m'aider ? N'abandonnez pas, Clarisse. On y est presque. Vous ne répondez pas à ma question. À mon avis, ça se tente. On va y arriver. Bien ? Oui, je... Je vois rien arriver par là, mais je les entends. On dirait bien qu'en bas, ils s'amusent beaucoup plus que nous ici. Terminé. Du moment qu'ils viennent pas nous faire chier, moi ça me va. Rien sur les caméras à l'intérieur. Terminé. Ouvre l'œil. Les petits malins. Ils ont monté un site bidon pour leurrer les pillards. Ils savaient que ce qui se trouvait là était du genre spécial. Rien à signaler. S'ils nous attaquent, moi, à mon avis, ils surgiront par le gouffre. Si. Tu serais pas d'humeur optimiste ? On affronte un ennemi dont on ne sait absolument rien. Un ennemi en nombre inconnu sur son terrain. Mal barré. Je ne sais pas combien de temps ces portes vont nous tenir. Faut essayer la radio.
On la répare, on appelle la cavalerie. On fout un peu le bordel. En admettant qu'il y ait un émetteur là-haut, il aura une portée limitée. Le seul truc qu'on doit aérer, au milieu de tout ce merdier... C'est l'appui aérien. Les miracles, ça arrive. Si on envoie un signal, peut-être qu'il y aura un hélico pour l'entendre. Enfin, pour ça, faut qu'on puisse l'envoyer, ce signal. Un problème à la fois. Porte descente. L'état de Marie s'aggrave. Ce soir, en sortant de mon hébétement, j'ai découvert Lady Bradshaw en train de poser d'autres fichues questions à ma femme. Marie parlait de démons ailés en bredouillant. À ces mots, les yeux de Bradshaw se sont mis à briller et elle a demandé à mon épouse si elle sentait leur présence. Dans son délire, Marie s'est attaquée à Bradshaw et lui a griffé la poitrine. Lady Bradshaw s'est éloignée et au bout d'un moment, j'ai réussi à calmer ma femme. Des vampires. Putain, je le savais. Je vais avoir besoin d'aide pour la faire fonctionner. Merci. C'est saleté de Turon, mon vieux. Le cancer du poumon, c'est pas mon souci numéro un en ce moment. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon briquet ? Ce n'est qu'un signal fantôme. Même sans antenne, tu peux capter un signal résiduel. Et que dalle. Allez, répare-moi cette radio. Si on arrive à émettre un signal et à contacter Cellcom, on pourra peut-être rentrer chez nous. Je sais pas, mec. Je suis pas technicien. Si Merwin était là, il pourrait le faire. Sans blague. Bah, faudra faire sans.
Salim, aguanta. Shh. How much are you being? الكلاب يطلبوا حماية. ما نقدرش نسيبهم يجمدوا. لا لا، احنا محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا. اتجننت، دول على الديوانة. انت ما شفتش الغول؟ في غول هناك، هو ده العدو الحقيقي. سليم انت اتجننت. اسمعني أرجوك اسمعني، قتلوا الأمريكان، كانوا هيقتلوننا. اسمعني، أنا شفت غول بعناية دول وقتلت واحد. اخلص وامشي ورايا. انت سمعني خالص؟ لا انت اسمعني دلوقتي، يا اما تمشي ورايا يا اما خليك هنا وتعفن، اختار. Se débarrasser de ce clown. Couvre-moi. T'avoir, moi.